Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Booster Mystère. Et je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo hier parce que cette semaine, j'avoue, j'ai été un petit peu prise par le temps et j'ai pas eu le temps forcément de faire une vidéo. Mais l'ouverture du dimanche, j'étais obligée de revenir quand même et en fait, je vous avoue que j'ai craqué parce que j'ai juste trop envie de voir les boosters. Donc je m'éclipse un petit moment pendant la sieste d'Eline pour faire mon ouverture. Et du coup, avec vous, pour vous faire cette petite vidéo en ce dimanche, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente puisque aujourd'hui, nous allons ouvrir des petits boosters de la série 6. Des Durables, vous connaissez, la série 6, on a déjà ouvert deux grosses maisonnettes la semaine dernière. C'est la plus belle série depuis le début des Durables, à mon goût. Avant d'ouvrir, on va faire un petit point checklist pour que vous découvriez ou redécouvriez la série si vous avez déjà vu la vidéo. Mais du coup, voici les personnages qu'on peut avoir. Donc en limité d'édition, clairement, c'est quasiment impossible qu'on les ait. Ils sont hyper difficiles, ceux-là, à trouver. Mais sinon, on a du Alice au Pays des Merveilles. Pour l'instant, ceux-là, on n'en a aucun. J'ai coché ceux que j'avais, donc là vous voyez que s'ils sont pas cochés c'est que je ne les ai pas. Dans La Petite Sirène, on a réussi à avoir le rare, donc Polochon, qui est très mignon. Il avait une couleur un peu bizarre, donc j'aimerais bien le rechoper pour voir si on avait un Polochon un peu défectueux ou si c'était sa couleur normale. Donc on verra. Ensuite dans Raya, bah alors là on a tout pété, je voulais des Durables Raya et on en a eu trois personnages, dont le Tuk Tuk qui était mais pff, tellement mignon. Et les petits singes aussi, ils me font bien kiffer. J'aimerais bien avoir les trois, ça devrait être possible, un rare et un commun, on devrait réussir. Par contre, Sissou, ça va être un peu plus compliqué, là, le dragon, il a l'air magnifique. On va croiser les doigts, c'est un ultra rare, mais c'est possible. Sinon, quand on retourne la checklist, eh bien, on a les princesses Jewel, donc c'est la série 6, elle est comme ça, en fait, leurs petites robes font des joyaux. Si vous avez vu la vidéo, vous voyez de quoi je parle. Là, normalement, on n'en aura pas, parce que ces princesses-là ne se trouvent que dans les grands boosters, et vu qu'aujourd'hui, on va ouvrir des petits, bah, a priori, on devrait pas avoir de princesses, mais il nous reste des grandes maisons pour les prochaines ouvertures, donc on verra bien. Le Peter Pan, on a eu Monsieur Mouche qui était juste incroyable, c'était mon préféré de l'ouverture, il était trop mignon, c'est un rare en plus, mais il nous en manque pas mal, dont deux ultra rares, Wendy et Fée Clochette, ça va être un peu compliqué. Winnie l'ourson, ils sont trop mignons, c'est des floquettes en plus, alors Coco Lapin qu'on a eu en tout cas était floquette, je pense que les autres aussi, ils sont juste trop mimes, donc on espère en avoir aujourd'hui. Et Blanche-Neige et les sept nains, voilà, ils sont juste incroyables aussi, ceux-là je les veux absolument tous. Et d'ailleurs vous voyez, j'ai fait une petite erreur, j'avais coché timide alors qu'en fait non, j'ai vraiment eu dormeur. Donc j'ai juste mis une petite croix en disant non. Non Roman, tu ne l'as pas déjà celui-là. Il te le faut. Et du coup c'est parti les amis, je me frotte les mains, je suis très très impatiente. Je compte sur vous pour lâcher les petits emojis doigts croisés dans les commentaires pour nous porter chance. Et on va ouvrir du coup nos petites maisonnettes Durables de la série 6. Alors on n'aura pas le plaisir de pouvoir chercher avec la petite loupe comme sur les grandes maisons pour voir combien de figurines on a à l'intérieur. Mais on peut quand même en avoir deux ou trois, hein. Ça reste toujours un petit peu le même principe. Même si c'est quand même très compliqué, hein, je trouve, d'avoir trois Durables. Vu toutes les ouvertures que j'ai fait, j'ai peut-être eu deux fois trois Durables dans ces maisonnettes-là. Une ou deux fois, pas plus quoi. Et du coup, je vais le retourner pour l'ouvrir parce que sinon ça spoil. Alors oui, là on a la checklist qui cache, mais du coup, derrière la checklist se trouvent les personnages. Donc, pour garder un maximum de suspense, on l'ouvre à l'envers. Hop, on enlève la petite checklist et on attrape le premier sachet. Parce que ce ne sont pas des sachets opaques dans ceux-là, c'est vraiment des sachets transparents. Donc c'est parti, le premier. J'essaye de le sortir sans qu'on voit. J'ai vu du rouge. Ça pourrait être Sébastien peut-être de la Petite Sirène, ou même Ariel d'ailleurs. C'est parti pour découvrir, attention, 1, 2, 3... Oh non! J'avais pas pensé que Monsieur Mouche, il avait un chapeau rouge. Et bah c'est un doublon pour commencer. Voilà, deuxième ouverture de Durables, on a déjà des doublons sur la série 6. Il est incroyable. Je l'aime trop, c'est mon chouchou, c'est un rare en plus. Donc on peut pas se plaindre d'avoir eu Monsieur Mouche parce qu'il est vraiment trop mimes. Mais ça ne fait pas avancer la collection malheureusement. Mais regardez-moi sa bouille là avec ses lunettes et ses petites sandalettes. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop, il est trop mignon celui-ci. On va le mettre là, hop. Et c'est parti du coup pour le deuxième personnage. Et après on verra si on a un troisième qui se cache dans la maison. Hop, j'ai vu du marron je crois. On va faire comme si on n'avait rien vu. Et attention, deuxième personnage, deuxième Durables, il s'agit de... Ouh, c'est un nouveau. C'est Wendy ? Oh non, c'est Ariel, j'ai cru qu'on avait eu une ultra rare. Mais non, c'est Ariel du coup. Ben, on va aller tout de suite voir sa petite rareté à Ariel. Ah, il y a deux Ariel. Il y a Ariel en robe bleue qui est commune, donc celle qu'on a eue là, malheureusement. Et sinon, il y a Ariel en sirène. Et du coup, elle qui est, pareil, commune en fait. Je pensais qu'elle avait une rareté différente. Non, elles sont toutes les deux communes. On peut avoir deux Ariel et du coup, là, on a eu celle en robe bleue. Elle a un petit souci à l'œil. Hein. C'est moi là où elle a un œil... Ouais,
Marielle, t'es un peu chelou, hein. Mais il n'y a pas que ses yeux que je trouve chelou, là, ses cheveux, ils ont une texture un peu bizarre. Je pense qu'il y a un délire sur les personnages de La Petite Sirène, vu Polochon, je le trouvais un peu bizarre, je pense que c'est peut-être des personnages nacrés, quelque chose comme ça, un peu brillant. Ça lui va bien, ça lui va très bien, juste, bah là, il y a son œil qui capote, là, c'est pas possible. Bon, on va espérer l'avoir en double dans toutes nos ouvertures de la série 6 pour en avoir une un petit peu mieux faite. Et du coup, est-ce que dans ce petit booster se cachait un autre Durables? Eh bien non, regardez, c'est vide. Donc voilà pour le premier booster, il nous en reste encore 4, ce n'est que le début. Profitons. On a eu des beaux personnages pour l'instant, même si on en a une qui a un œil chelou et l'autre qui est un double. On va continuer avec un deuxième petit booster. On veut du 7 nains, on veut du Winnie l'ourson aussi, je les trouve canons les personnages de Winnie l'ourson. C'est clairement mes petits goals personnels. Hop, comme d'hab on le retourne à l'envers, on enlève la petite checklist et c'est parti avec le premier sachet transparent. Oh là, j'ai tout pris. J'ai tous les sachets là dans ma main, mais bon c'est pas grave, je vais les sortir un par un. Et le premier... Oh, on a un nain. Alors attendez, il faut que je cache le Durables que j'ai dans ma main, parce que ça va être compliqué. Hop, je le remets dans le booster, ni vu ni connu. Et du coup, on a un nain. Alors je crois pas qu'on l'avait, celui-ci. Qui es-tu, toi? Tu m'as l'air bien heureux pour un nain. Oh là là, regardez les amis. Regardez, on a eu Timide. C'est celui que j'avais coché en disant non, tu ne l'as pas, Roman. Et du coup, bah, en fait, on a eu les deux nains ultra rares de la série. J'ai que deux nains. Non, j'en ai trois, parce que j'ai Happy aussi. Et j'ai déjà les deux ultra rares. Manque plus que les rares et les communs. Donc parfait. Je voulais du Blanche-Neige et les 7 nains. Et j'ai déjà les deux plus compliqués à choper. Il est trop mignon. Regardez pourquoi je les veux. Ils sont trop mimes, ces nains. Il est trop chou, celui-ci. Je l'aime trop. Hop, vas-y, à côté d'Ariel. Et du coup, le petit Durables que j'avais reposé, miskin, je le reprends et attention, 1, 2, 3. Oh, c'est du rouge. C'est suspense là, vous voyez, on garde encore le suspense. Est-ce que c'est Sébastien? Il est tout rouge. Oui, c'est exactement ça. Oh, il a l'air trop bien. Oh mon dieu, il est trop mignon. Oh, c'est le plus mignon. C'est le plus mignon des Durables depuis le début. Mon dieu, il est incroyable. Et regardez, on retrouve encore la petite texture chelou. Donc je pense vraiment que tous les personnages de La Petite Sirène ont une texture comme ça. Je saurais pas la définir, c'est pas précisé du tout sur les boosters et sur la checklist, mais c'est cool, parce que du coup, Winnie l'ourson, ils sont floqués, La Petite Sirène, ils sont un peu nacrés comme ça, les princesses, c'est des bijoux, leurs robes. À chaque fois, il y a des petites nouveautés sur... bah, pas chaque série, mais... C'est trop bien. Franchement, ils sont trop bien pensés, là, la série 6. Masterclass sur tous les points. Et ce Sébastien, mamma mia, il est trop mignon. Je l'aime trop avec ses gros yeux. Aïe, aïe, aïe. Et bah, c'est parfait. C'était quoi sa rareté, du coup, à Sébastien? Parce qu'on parle, mais... Ça se trouve, il était rare? Non, il était commun. Mais on l'avait pas, il était commun, il est grave mignon. C'est parfait. Et du coup, est-ce que dans ce booster se cachait un autre Durables? Malheureusement, non. Il est vide. Donc, on va pouvoir enchaîner avec un nouveau petit booster. Let's go, celui-ci. Il m'a régalé, là, le précédent. Je voulais de la nouveauté et des 7 nains et j'ai eu un nain ultra rare. Et Sébastien, le plus mignon du game. Maintenant, je veux du Winnie l'ourson, là, s'il te plaît. Donne-moi du Winnie. Hop, on enlève la checklist. Allez, c'est parti. Premier petit sachet. Ça y est, il est dans ma main. Il s'agit, mesdames et messieurs, de... Ouh, c'est le lapin blanc, ça. Oui, c'est le lapin blanc d'Alice. Magnifique. Oh, il est trop beau. On l'avait déjà dans la saison 1, ce personnage. Mais là, ils l'ont remasterisé beaucoup plus beau. Ses petits yeux roses et tout, là, il est trop chou avec sa trompette. Il est trop mignon, j'adore quand ils leur font des petits accessoires comme ça, d'ailleurs. Je l'ai pas précisé pour Sébastien, mais il avait la petite baguette de chef d'orchestre, là, dans sa main. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça très mignon. Comme la petite trompette, là, qu'ils ont mis au lapin blanc. Ça lui va magnifiquement bien. Et c'est quoi ta rareté, mon petit pote? Eh bien, c'est une pastille blanche, donc c'est un personnage commun. Est-ce que on va avoir un nouveau Durables dans cette petite boîte? Oh! Bah oui, bah attends, bah en fait j'en ai pris qu'un, je suis bête, le lapin blanc c'était le premier, donc oui, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième et c'est une princesse! C'est une princesse avec une robe diamant, c'est Tiana les gars! Cette ouverture me retourne le cerveau, je ne comprends plus rien à ces Durables. Bah du coup, on peut avoir des princesses dans de spéciales éditions, du coup, dans les petites maisons. Trop bien! Je suis grave contente. Alors, du coup, ça veut pas dire qu'on en a forcément dans les grandes maisons. J'en ai ouvert que deux et j'avais fait ce constat puisqu'on en avait eu une dans chaque booster. Je sais pas si on avait juste eu de la chance ou s'il y en a vraiment un dans chaque maisonnette et aussi dans les petits boosters aléatoirement. Mais en tout cas, c'est trop cool. Du coup, Tiana, malheureusement, c'est une qu'on avait déjà parce qu'il me semble qu'on a eu Belle et Tiana la dernière fois, les deux princesses qu'on a eues. Donc c'est une double, mais édition spéciale, c'est carré, hein. C'est plutôt difficile à trouver. Donc magnifique. Et regardez ce que je vous disais, du coup, sa robe.
qui forment un petit joyau pour la série 6. Voilà, c'est les princesses joyaux. Parfait, et du coup, bah, on a été spoil, hein, il n'y avait pas d'autres Durables dans ce booster. Il nous reste deux petites maisons à ouvrir. C'est parti avec celle-ci. Toujours pas de Winnie l'ourson, hein. Je vais commencer à m'impatienter là, dieu des ouvertures Durables. Je pense que vous avez peut-être pas mis assez de doigts croisés là dans les commentaires. C'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas... on n'a pas encore eu du Winnie. Mais là, je sens que ça vient. Là, je sens qu'on est pas mal sur les deux derniers boosters. Allez, hop, je prends le premier sachet, là. C'est parti. Oh là là, il a l'air gros. Je sais pas qui j'ai dans la main, mais ça m'a l'air d'être un gros personnage. Attention, 1, 2, 3... Oh non, il est pas gros. C'est un Winnie l'ourson. Effectivement, ça a marché, mais c'est un double. C'est le seul qu'on avait déjà de Winnie l'ourson. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Il est mignon, je craque. Franchement, ils ont réussi à rendre Coco Lapin archi adorable. Bon, bah c'est pas grave, c'est un double, mais c'est quand même du Winnie l'ourson. Merci pour vos emojis doigts croisés, hein. C'est sûrement grâce à vous qu'on l'a eu. Et du coup, c'est parti pour le deuxième personnage. Il est juste ici, et attention, il s'agit de... Oh oui! Un nouveau nain, c'est Grincheux! Carrément. Alors, ah bah il a un défaut de peinture là, je crois, mon Grincheux. Ah non, c'est... Bah attends. Vérifions, je ne pense pas que Grincheux ait ça. Ah si, c'est sa bouche! Ok! Ah ouais, bah la mienne, elle est trop mal faite, elle est hyper mal imprimée. Normalement, il a une bouche comme ça. Mais là, non. Ils ont raté l'impression de la bouche, mais c'est quand même un nouveau nain. Du coup, ça, c'est très très cool. On l'avait pas, celui-ci, même s'il est rare. Ah oui, oui, il est rare. J'allais dire même s'il est commun et qu'il est plutôt facile à trouver. Non, pas du tout, en fait, c'est une pastille verte. Incroyable, Grincheux qui tombe à pic. Merveilleux, j'adore Grincheux. Si je pouvais l'avoir en double, c'est le personnage Disney préféré de ma meilleure pote, donc... On va viser un Grincheux en doublon. Et du coup, est-ce qu'on en a un autre? Eh bien non, le booster est encore vide. Et du coup, il nous reste plus qu'une petite maisonnette, la dernière, mesdames et messieurs. On croise les doigts pour au moins en avoir un nouveau sur les deux, ça serait vraiment bien. De nouveau, bah là, ça serait le top du top, mais bon. Au moins un sur les deux, allez, c'est parti. J'en ai un déjà dans ma main. Il s'agit de... Oh, c'est qui ça? C'est marron, c'est... Oui, c'est encore un nain. C'est lequel celui-ci? Hachoum? Non, l'a déjà eu Hachoum. T'es qui, toi? Désolée, ma culture nain est... Ah si, c'est ça, c'est Hachoum. Ma culture nain des Blanche-Neige est vraiment médiocre. Mais du coup, un petit nain qu'on n'avait pas, parfait. Pastille blanche, donc commun, mais nickel. Il nous en manque plus beaucoup, hein. Je crois qu'il nous en manque plus que deux ou trois des nains. C'est trop bien, hein, je suis trop contente. Et du coup, le dernier, à moins qu'il y en ait un autre caché. Non, il n'y en a pas de caché, voilà. Comme ça, le suspense pour le dernier Durables est anéanti. Mais il nous reste, du coup, le dernier Durables. Attention, mesdames et messieurs, il s'agit de... C'est un Winnie l'ourson et c'est Bourriquet. Oh oui, c'est celui que je voulais le plus. Oh là là, je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas être déçue, mais c'est clairement mon préféré de Winnie l'ourson, il est trop mignon. Oh, il est tellement beau. Je sais qu'il y a plein de gens là qui regardent cette vidéo qui sont fans de Bourriquet, et bah c'est pour vous. On l'a eu. Il est là, le petit boubou. Trop bien. Bourriquet, c'était quelle rareté en plus? Oh là là, pastille verte en plus, trop bien. Il y a que Tigrou qui est ultra rare, qu'on va avoir un petit peu plus de mal à trouver, mais... Il est trop mignon, c'est vraiment le plus chou, j'aime trop. Et du coup, cette vidéo se termine en beauté. L'ouverture était juste parfaite. On peut mettre de côté ces trois-là qui sont des doubles, mais encore que, on a eu quand même Coco Lapin en version floquée de Winnie l'ourson. Une spéciale édition Princesse Tiana et bah, Monsieur Mouche qui est clairement trop mimes. Tout le reste, tout ça, ce ne sont que des petits nouveaux. Et ils sont juste tous trop bien, je les aime trop. Bon, à part Ariel qui a toujours son œil un peu chelou hein, depuis le début de la vidéo. Ils sont trop bien, ils sont trop trop bien, je suis trop contente. Je savais que je devais faire cette vidéo d'ouverture d'Urables là, on allait avoir du lourd. Ah là là, ça ne change pas, je suis toujours aussi fan de ces petites figurines. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi, parce que vous me le dites en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ça si cette semaine ça vous a plu également. Bref, du coup, si cette vidéo vous a plu, eh bien pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et moi, eh bien je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.